m'a élevé d'affronter un adversaire comme Abdou. C'est le numéro 1 de la KT, il a prouvé qu'il l'était et c'était une bonne expérience. J'ai accepté de relever le défi parce que mon but c'est d'être le numéro 1, rien d'autre, c'est d'être le meilleur. Donc l'adversité c'est pas quelque chose qui me fait peur et un mec très fort c'est pas quelque chose qui me fait peur non plus, au contraire ça me stimule. Je suis très satisfait de ma carrière. Bien sûr, il y a eu des fausses notes, il y a eu des échecs, mais il n'y a pas de construction sans échec. Donc, tu perdras des combats, tu échoueras, tu auras des déceptions et des déceptions, j'en ai eu effectivement dans ce milieu, j'en ai eu beaucoup. Si j'ai vraiment un seul regret par rapport à ma carrière, c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Et de leur avoir donné trop d'importance. J'ai réussi à prendre ma liberté, j'ai réussi à montrer que je baissais pas la tête, que je baissais la tête devant personne et que j'étais un bonhomme. Je suis quelqu'un de fier, quelqu'un qui combat, qui est fort, qui va toujours de l'avant. J'ai rencontré les gens les pires, mais j'ai aussi rencontré les meilleurs. J'ai fait des rencontres incroyables. Et surtout maintenant, vraiment une équipe qui est soudée comme jamais. Et moi, je suis content de finir ma carrière entouré de gens comme ça, de gens positifs, de gens qui sont là pour moi, qui sont devenus des amis, qui sont devenus des frères. Et m'approcher de l'âge de la retraite sportive avec ces gens autour de moi pour finir, c'est le plus beau des cadeaux que je pouvais espérer avoir. Et je suis très fier de là où je suis arrivé aujourd'hui, en tant qu'homme et en tant que combattant. Vous êtes à la maison de Monsieur Lebout, Mickaël, à Vitry-sur-Seine, la ville dans laquelle j'ai grandi, la ville dans laquelle je suis né même. Moi, je me suis embourgeoisé un peu, je suis passé des cités au quartier pavillonnaire, mais ça reste ma ville de naissance. Ah, ça, je suis pas sûr. La M4, mon gars. Ça, c'est la soumission au deuxième round, j'annonce, tu vois. Je la dédicacerai à mes coachs. Il est avec nous déjà depuis un petit moment pour le sol. On entraîne depuis, ça fait 2 mois là déjà. Et clairement, on a réglé pas mal de petits détails. Je sens que le niveau technique, il était déjà élevé. Il a déjà un très bon sol. Et là, il a vraiment franchi encore un cap avec voilà, des défenses sur certaines attaques. Vraiment, ça devient de plus en plus précis. Et je pense qu'il sera largement prêt pour le combat. C'est rien, faut juste exploser avec ton bassin en fait. T'as tendance à vouloir résister et du coup... Tu m'aides en fait, tu te crispes, ça m'aide et j'arrive à te contrôler les hanches. Ce qui a façonné ma vie de manière positive, qui est arrivé quelque chose que j'attendais pas dans ma vie, ouais, c'est le MMA et la performance, d'aller chercher la performance à haut niveau. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, vraiment au sens de l'extraordinaire. Quand tu te retrouves en Russie, au Kazakhstan, que tu combats à l'UFC, que tu combats au main event du Bama, que tu te retrouves dans des situations parfois drôles, parfois presque c'est inquiétant. Tu vois, ça, c'est des choses qui marquent ta vie et qui te façonnent en quelque sorte. Et après, il y a des expériences dans la vie qui sont dures, qu'il faut surmonter. Mais ça, comme je t'ai dit, je préfère par pudeur le garder pour moi. Ça, c'est ici, normalement, il y a un marché le dimanche, marché du 8 mai. Je venais avec la maman tous les dimanches. Je venais porter ses sacs jusqu'à la maison. On venait faire le marché. De la 6e à la 3e ici. Ah, Vitry-sur-Seine. Voilà. Avant, c'est moi qui sortais du collège.
Ça, c'était la pente des bagarres. On descendait ici, on allait sur le parking des Sceaux, là. Et là, il y avait des bagarres, à l'abri des regards. Il a pris énormément d'expérience et de maturité dans son jeu. Avant, disons qu'il était beaucoup plus fougueux, il avait beaucoup plus d'instinct. Aujourd'hui, il est beaucoup plus intelligent. L'expérience qu'il a eue au plus haut niveau fait qu'aujourd'hui, c'est un combattant hyper complet. Et voilà, il est capable d'amener le jeu où il le veut et quand il le veut. J'ai voulu affronter Karlamoussou parce que clairement, c'est un combattant qui, en France, à l'époque, performait. L'un des premiers combattants même qui a performé à l'international. Moi aussi, j'ai performé après lui à l'international. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir qui était le meilleur de nous deux. Moi, j'ai ma réponse et j'ai envie de montrer à tout le monde que j'ai la bonne réponse. Et je pense que le MMA a évolué et qu'il a toujours été de l'ancienne école et qu'il n'a jamais su adapter son jeu au nouveau MMA. Les combattants avaient l'habitude de faire beaucoup de cutting, le corps arrivait fatigué, etc. On a changé beaucoup sa façon de travailler. Il a accepté de me faire confiance parce que c'est vrai que c'était quelque chose de complètement nouveau pour lui. Et je crois que le résultat est pas mal pour le moment. Quoi. On a pris beaucoup de temps de repos après le dernier combat contre Abdoul. On a fait le point, on a profité pour se reposer, pour soigner un peu les blessures. Et là, on est bien, on est au niveau. Je suis très satisfait de la manière dont Karl boxe en ce moment. On va pas empêcher Karl de faire Karlamoussou. Donc je pense qu'on a beaucoup bossé bien statique, mais on a bossé aussi beaucoup les in and out. Et je pense que son explosivité sur 1, 2, 3 coups en avançant, qui a toujours été la marque de fabrique de Karl, va être bien exploitée là, dans ce combat. Michael Lebout, c'est un guerrier. C'est un combattant dur. Il est bon, sans avoir d'éclat dans son style. C'est pas un mec qui va être excellent en boxe ou excellent au sol. C'est pas un finisher né, mais par contre c'est un gars qui a du cœur. Il a vraiment du cœur. On sait que ça sera une guerre et qu'il n'abandonnera pas. À moi de le terminer. Lebout, je vais lui faire mal. Je vais faire très mal. Même moi, je suis Team Lebout. Si ça peut te donner la force, si ça peut te rendre encore plus fort, même moi, je vais être Team Lebout. Dans la cage, c'est toi et moi, et personne. Tu vas recommencer à se passer. De la guerre, je vais te l'amener à la guerre. Ça fait longtemps que tu le veux. Hein? Ça fait longtemps. Ça t'attend depuis des années, ça. T'as essayé toutes les stratégies, t'as essayé d'être mon ennemi, t'as essayé d'être cool, t'as pensé que t'allais m'adoucir. Je suis pas là pour rigoler. J'en ai rien à foutre des réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre de tout ça. C'est toi contre moi, mon pote. C'est toi contre moi la guerre, je vais te l'amener. Au foot, il a la tête, il a la volonté, mais il n'a pas la technique en MMA. C'est un technicien, il a du coffre, il a de la tête, il a de la tactique, de la stratégie, il a tout. Et pour le combat contre Amoussou, ça va être dommage, mais ça va être dur pour Karl. Et le sous pression, Mika, vas-y! Un petit fight avec les amis, histoire de décrasser un peu. Et voilà, ça reste du sport, mais c'est bon délire. Comme ça, on le sent pas passer et ça permet de travailler un peu le cœur. Physiquement, il est prêt. Mika a un gros mental, c'est un guerrier. Et là, il me l'a prouvé pendant la prépa. Il m'a prouvé qu'il était capable de faire des choses que je ne savais même pas fait avec lui avant. On a décidé de repartir sur une planification avec plusieurs cycles et de voir déjà où il en était. Et au final, on a doublé les séances, on a vraiment mis l'accent sur la force, sur l'explosivité. Et du coup, maintenant, je pense qu'il est vraiment prêt. Allez, allez, go! À fond, viens! Fort, fort, fort! Continue, 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 continue! Magnifique, c'est là. Bien joué. Le trash talking qu'il a amené, ça change pas mon état d'esprit.
ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa tête. Et sa tête, je vais aller la chercher. Donc, qu'il fasse ses trucs, qu'il fasse ses petites blagues. Je suis français, je représente la France et je représenterai la France contre Lebout qui représentera aussi la France. Et même si je représente un autre pays, ça changerait rien. On parle d'un mec qui a jamais intégré le top 100 et on parle d'un mec qui a été le meilleur welterweight français de tous les temps. C'est deux divisions différentes. Il le sait, je le sais, on était sparring partner. On dit toujours que ce qui se passe en sparring, ça reste à la salle. Ça reste à la salle. Il sait, je sais, fin de l'histoire. Mais pour l'instant, c'est une cible à abattre, ni plus ni moins. Je me suis frotté à ce qui se fait presque de meilleur en MMA. Donc j'ai aucune crainte sur ce combat. Et on sait que Karl, la nationalité allemande, a longtemps représenté l'Allemagne. Quand en France, c'était chaud pour le MMA. Aujourd'hui, il retourne sa veste parce que le MMA en France est coté. Donc il revient fièrement représenter le drapeau tricolore. Il peut représenter qui il veut, mais j'ai l'impression qu'il ne sait même pas qui il représente vraiment. Je ne sais même pas s'il sait qui il est. Faudrait lui poser la question. Il va rentrer dans la cage contre moi. Et il sera trop tard à ce moment-là. Il sera trop tard, Lebout. Je pense qu'il se jauge pas assez bien. Je crois qu'il met des challenges un peu trop haut. Je vais lui reprouver encore une fois que là, c'était peut-être un peu haut, qu'il a des prétentions qui sont bien au-delà de ses compétences. On mettra fin à toutes les discussions. On mettra fin à toutes les discussions. Mais on le sait tous, Karl c'est un gentil, c'est pas un méchant, c'est un personnage qui s'invente le psycho. Karl c'est un peu comme Vince dans La Haine, il a besoin de se regarder dans la glace pour se motiver, pour se faire croire qu'il est méchant, mais c'est un gentil. Il faut qu'il sache que le niveau de compétition auquel il va faire face contre moi, c'est pas ce qu'il a eu avant. C'est pas ce qu'il a eu avant, c'est autre chose. Là c'est Karl Amoussou en face. C'est le psycho. Je vais gagner, je vais l'éteindre. Mon but, c'est de l'éteindre au deuxième round. J'ai toujours dit, j'annonce. La porte de la cage, elle va se fermer. Ça sera toi contre moi. Juste toi et moi. Il y aura les voix de tes coachs, il y aura les voix de mes coachs, mais ça sera juste toi et moi. Et là, on va pouvoir se lâcher. Là, on va pouvoir se la donner. Là, on va pouvoir faire la guerre. J'espère qu'il n'aura pas une stratégie un peu ennuyante, d'essayer de coller, etc., qu'il va accepter pour une fois de combattre. Et on se tape. Et on fait un vrai combat de bonhomme. On fait un vrai combat de bonhomme, une vraie guerre. Et on va voir qui c'est qui va rester debout. Viens. On va se la régler une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. On va avoir la réponse à notre question. Qui est le meilleur de toi et moi? Je sais que tu m'as pris au sérieux. Je sais que tu m'as pris très au sérieux. Tu vas pouvoir avoir une bonne raison de partir à la retraite. Viens. Je t'attends. J'ai pas de vraiment de mauvaises intentions pour toi. Je vais juste gagner tranquillement. Sois là, sois présent, sois la meilleure version de toi-même et on va se la régler une bonne fois pour toutes. Et je vais lui prendre son âme. Ça va être terminé pour le bout. Fini, terminé. Bonne nuit. Clap de fin.